je suis très heureuse de vous retrouver sur les routes du bon goût avec mon petit Moulin à sel. Vous savez qu'en cuisine, comme dans l'histoire d'ailleurs, bien des citadelles ont été conquises avec des révolutions de palais. Et la citadelle où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est l'une des plus belles de Corse, Calvi, Semper Fidelis. Aujourd'hui, nous allons mettre les pieds dans le plat avec des œufs frais, de délicieux légumes et un tartare revisité. Et justement, Philippe, on en est où ? Voilà, juste à la découpe de la viande. Une viande d'exception pour un tartare à partager avec un amateur. Amateur ? Et pendant que les œufs sont en train de bouillir au fond de la casserole, j'irai faire un petit tour dans Calvi pour vous présenter... Olivier Bianconi. Marina. Salute. C'est dans ce lieu inattendu, Cittadella d'Affa, que nous allons dresser la table avec, comme d'habitude, les précieux conseils d'Anthony pour une table réussie. Passons aux choses sérieuses. Oui, passons aux choses sérieuses, oui, c'est ça. Depuis la pointe de la Revelata, ce sont les côtes de la Balagne qui révèlent toute leur puissance. C'est un peu comme en cuisine. Si vous voulez que vos recettes aient du goût, eh bien, choisissez des produits et des épices qui sauront leur apporter de la force. Aujourd'hui, je vais mettre mon grain de sel dans la cuisine de Philippe Gouret, mais en marchant sur des œufs et sans les casser, s'il vous plaît. Philippe ne sera pas seul, il sera accompagné d'un amateur, François Canava. À tout de suite. Pourquoi tu coupes si vite, toi ? C'est sur l'habitude. En bon breton, Philippe Gouret a navigué en cuisine sur les 5 continents. Il travaille beaucoup les produits de la mer et aujourd'hui, pour nous, il va faire un pas de côté. Ah ouais, mais bon. Ah, c'est bon. Moi, tu vas être comme ça, tu me coupes trop droit. Face à lui, François Canava. Il est tombé dans la marmite lorsqu'il était tout jeune. Et depuis, il cuisine par passion pour sa famille et ses amis. Alors, j'ai pas la course, hein. T'inquiète, hein. Le principal, il faut que ça soit bien coupé. T'inquiète. C'est déjà le principal. Bonjour les garçons. Bonjour. Salut. Comment ça va ? Mais la foi, écoute. On a déjà attaqué ? Un petit peu, oui. Philippe Gouret, qui est notre chef aujourd'hui, et François Canave, notre amateur. Amateur ? Bah, amateur ou chef ? Rassure-moi. On va aller dire chef. Donc, plaisir. Ça commence bien. J'ai deux chefs sur le plateau. Bon. Tu n'es pas fâché, François ? Presque. Alors, aujourd'hui, vous allez nous prouver, les garçons, que même avec des œufs, on peut aller très loin dans la recherche. On peut faire des plats très élaborés. Et toi, Philippe, raconte-moi ta recette. Alors, on a parti sur du chou-fleur, du chou romanesco et de la butternut. Très bien. Et nous allons réaliser donc un petit tartare de veau au foie gras avec des légumes crus et cuits. Ah, pour jouer le croquant et le moelleux. Voilà. Et par-dessus, on va ajouter un petit œuf moelleux pour faire rappeler un peu le tartare. Le vrai tartare de bœuf. Et notre chef amateur, je ne veux pas le vexer. Il recommence. Oui. Tu vas nous faire quoi, toi, François ? Alors, moi, je vais vous faire des œufs en tripe, l'eau en tripe. L'eau en tripe. C'est des œufs en tripe, c'est un plat traditionnel qu'on faisait en Corse à l'époque, même, on en fait beaucoup même à l'époque, on faisait ce qu'il y avait dans la maison. Ce qu'on appelait ça un plat de pauvre. Exactement, oui. Exactement. Des oignons, de la pancette, des œufs, un peu de coulis de tomates, un bouquet garni, et puis voilà, puis c'est très simple. Bon, dans tous les cas, les garçons,
Ces deux recettes sont possibles grâce à un producteur qui est vraiment près d'ici, c'est Jean-Luc Géron, oui. Avec ses œufs de qualité, des poules élevées en grande terre et vraiment des légumes. Regardez, super, regardez la couleur. Ça super parle déjà. Hein, ouais. Bon. Non loin de Galère, il y a la vallée du Marsouline, où abrite un jardin extraordinaire, l'Orto di Babbo. Je suis fils d'agriculteur, je suis fils de berger, j'ai vu mon père faire ça toute sa vie. Et non seulement mon père, mais tous les gens autour de moi. On est dans une vallée où il n'y a que des bergers, et je connaissais que des agriculteurs. Maintenant, comment on décide d'être maraîcher et bio, là, ça vient différemment. Ben, un jour, tu ouvres ton frigo et tu te dis, bon, qu'est-ce que je mange? Comment je veux manger? Ma plus grande fierté, c'est de remplir son frigo avec ce que tu as récolté. Tu remplis ton assiette avec ce que tu as récolté. Et je t'assure que ça a une autre saveur. Jean-Luc Géronimi s'est engagé dans une agriculture raisonnée qui respecte le cycle des saisons. J'essaye de travailler toute l'année. C'est pas facile. Mais j'essaie d'avoir une production qui s'étale tout au long de l'année. Il y a des périodes qui sont assez creuses. Dans l'Orto di Babbo, les légumes imposent leur rythme en prenant leur temps. L'époque des choux, ça plaît pas à tout le monde. Mais bon, il y a une époque pour les choux, il y a une époque pour les pommes de terre, il y a une époque pour les tomates. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a une saisonnalité. Et qu'on est obligé de respecter cette saisonnalité si on veut travailler comme je travaille moi, en bio. Mais Jean-Luc, pourquoi attendre ce que l'on peut avoir tout de suite? C'est bon pour la santé, c'est bon pour la nature, c'est avant tout bon pour la santé parce qu'il y a une époque de l'année où il faut manger certains produits et ça sert à rien d'essayer de manger de la tomate en décembre s'il n'y a aucune valeur nutritive dans cette tomate parce qu'elle a été produite sous serre ou je ne sais quoi. Avec les légumes, il nous faut aussi des protéines, bio de préférence. Alors, une poule certifiée bio, elle est bio parce qu'il faut avoir un terrain qui est certifié bio, il faut avoir une alimentation qui est 100% bio, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le bien-être animal. Élevées en liberté et en pleine nature, ces cocottes-là pondent des œufs d'exception, directement du producteur sur la table du consommateur. Merci Jean-Luc pour ces bons produits, des produits de qualité. Et justement, Philippe, on en est où? Voilà, juste à la découpe de la viande et de la sauge qu'on va mettre dans le tartare. La sauge du jardin. Ouais. On a la chance d'avoir un petit jardin avec plein de petites herbes aromatiques. Attends, il est jaloux, hein. Je sens qu'il n'en peut plus déjà. Où en es-tu, cher François? Mais regarde, tout est prêt. Oui, tout est prêt. Oui. Allez, je te fais un bisou. Oh. Je te motive. Ouais, t'es gentil. Les garçons, je vais partir chercher un lieu parfait parce que vous méritez quelque chose de... extraordinaire pour dresser une belle table. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon courage. Allez. Merci. Allez, François. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là, dis-moi. Là, on a coupé le veau. Ouais. Hein, on va le mettre dans un petit récipient. Avec la sauge. Avec un peu de sauge. Les échalotes, on les mettra après. Ah, d'accord. Par contre, on va l'assaisonner. Toujours un peu avant. Et après, on va le fumer. De légèrement. De sel. Ouais, toujours. Un petit tour du moulin. Super. Et on va venir le fumer. Alors, si tu veux, je te laisse... Ça s'appelle un Aladin. Je te laisse l'allumer. Et on va filmer. Et voilà. Voilà. On va laisser fumer. Il faut bien que ce soit hermétique. Ah ouais, non. Et on éteint. Maintenant, on va blanchir le butternut que j'ai passé dans la laminoir. Tu vas passer au laminoir, c'est ça. Ça fait une belle tranche. Ah ouais, parce qu'on va venir envelopper notre tartare de veau dedans. Il faut que ça soit joli. Tu vois, on va juste le blanchir dans de l'eau légèrement salée. Sans te brûler les doigts. On va laisser un peu 30 secondes. Ça va le ramollir. Ouais. Ça va le rendre un peu plus élastique. Peut-être pas élastique, le bon terme. Souple. Voilà. Tu me demandes quand tu sais pas. Ah voilà, là c'est bon. Ça boue. Et hop. Et hop. Dans la glace. Et dans la glace surtout. Et voilà. Maintenant, on va se prendre nos petits foie gras. Ah. Alors, c'est un foie gras que j'ai fait, qui est cuit dans un grain de myrte. Et ça va apporter un petit goût sympa à notre tartare. Donc, on va le couper grossièrement. Voilà. Donc, on va faire l'assemblage du tartare. Donc, on va rajouter nos petits cubes de foie gras.
On va bien mélanger. Tu le mélanges sans l'écraser, le foie gras. Ouais, parce qu'on a une texture en bouche quand même. Ah, ouais, hein. Tout à fait. Donc maintenant, on va faire l'œuf. L'œuf. Hein, on va faire un œuf mollet dans la cuisson. Donc c'est gros sel, ouais, et vinaigre. Et vinaigre. 5 minutes exactement. On va habiller notre tartare avec les feuilles de butternut. Ouais. Alors, voilà, tu vois, juste un joli petit cannelloni. Et là, on va venir rouler délicatement. Et regarde, tu vois, on le roule gentiment. Et là, on va venir serrer les extrémités. D'accord. Et tu vois, ça nous fait un tout petit boudin comme ça. Un petit boudin. Vous connaissez l'histoire de l'œuf de colon. Cet œuf dur qui tient debout. Beaucoup de Calvés aiment à croire que Christophe Colomb serait né chez eux. Historiquement, rien ne le prouve. Mais rien ne prouve non plus le contraire. En méditant sur cette histoire, voilà que j'arrive chez Olivier Biancogne. Olivier ! Olivier Biancogne ! Marina ! Salut, tête ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Bien. De passage à Calvi, je cherche un lieu insolite, un peu différent, tu vois, pour dresser une belle table, une table un peu décalée, faire une surprise à un chef et un amateur. Toi, tu connais bien la ville. Alors, quelque chose d'original. Oui, très original, s'il te plaît, oui. Alors, je crois que tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. On doit avoir tout ce qu'il faut ici. On va chez toi. Allez. Avec plaisir. Olivier a créé Cittadella d'Affa, un lieu original, un peu rococo, un peu baroque, où l'on profite de la vie. Il est vraiment très beau ce lieu, Olivier. Excellente idée. Merci. J'imagine bien une belle table ici. Alors explique-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on y fait dans ce lieu magique ? Alors c'est une petite maison dans laquelle on trouve différentes activités hein, qui tournent autour de la scène principalement. Et donc il y a des concerts, bien entendu, régulièrement du théâtre, des conférences beaucoup aussi, des cafés philo, des choses comme ça. Et la particularité des lieux, c'est qu'on est ouvert uniquement l'hiver. C'est bien, c'est une continuité. Il n'y a pas que Calvi on the Rocks l'été. Donc la fête continue à Calvi en voilà. Hiver aussi. Alors justement, hein, l'établissement a été créé pour essayer d'amener un peu de vie, une ouverture aussi hein, sur le monde, sur les arts, hein, la culture en général. La déco est très intéressante, très baroque, non ? Alors à l'origine, c'est une forge, donc c'est un bâtiment plutôt ouvrier, d'artisan. Qui a été complètement, que tu as transformé. Voilà, complètement repensé de A à Z. Hein. On a gardé les quatre murs et la déco est baroque dans l'ensemble. Et ensuite, c'est un mélange de bistrot, c'est un mélange aussi un petit peu de design pour essayer de dynamiser et relever un petit peu l'ensemble. Et voilà, c'est une maison. En tout cas, c'est un lieu particulier, vraiment très beau. Je pense que le challenge pour Anthony va être plutôt difficile. On va voir ça. Bon voilà, alors j'ai préparé les oignons. J'ai amassé ouais, comme ça, grossièrement, hein, ouais. pas trop effilé, pas machin, c'est assez. Et la texture. La pancette donc de ce côté aussi, donc je vais faire revenir par la suite. Hein. Donc voilà. Je t'allume la casserole. Tu m'allumes la casserole, s'il te plaît, ouais. Tu mets de l'huile d'olive dedans. Voilà, tout ça donc dans la casserole. T'assaisonnes avant ou après Après. Alors si t'assaisonnes avant, ouais. Ça permet que l'oignon soit plus ramolli plus rapidement. Ah, bah écoute. Ça fait tomber un peu. Je vais t'écouter. Une cuisson un peu plus rapide. Ouais. Conseil de chef, il faut bien l'écouter tout le temps. C'est bien. Je vais rajouter ma pancette. Ça va venir en même temps. Moi, je vais faire une petite entorse au règlement aujourd'hui, tu vois. Je vais rajouter un petit peu de vin blanc. Ça va donner un petit... Petit point d'acidité. Exactement. Voilà, ça devrait suffire. Voilà. Une petite cuisson pour enlever l'acidité, une petite ébullition. Exactement. Ça sent bon déjà. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. Je pourrais te demander un petit coup de main. Oui, bien sûr. Pendant que ça cuit, est-ce que tu peux mettre les œufs à. Je suis ton commis aujourd'hui. Voilà. Tu mets les œufs à cuire pendant 10 minutes. D'accord. Voilà, tu mets 8 œufs, ça devrait suffire. 8. Qu'en penses, chef, c'est bon, c'est l'évaporation, c'est bien fait là. Oui, ça me paraît très bien ça. Ouais, bon, je peux rajouter le poulet, j'y vais. Allez-y. Allez, parti. Alors moi, je plonge tes œufs. Vas-y. Alors je t'apporte de l'eau. S'il te plaît. On va mettre petit à petit l'eau, hein. On va faire.
ça. Tu laisses la cuisson longtemps ou pas longtemps? 15 minutes. 15 minutes. Et pendant que ça mijote en cuisine, si on allait voir comment ça se passe du côté de la table avec Anthony. Je suis parti sur des couleurs très froides, avec des nappes en coton, serviettes en coton de couleur vert d'eau. J'ai voulu travailler avec une artiste locale qui s'appelle Cathy Alstolf, qui est artiste céramiste et qui m'a fait une proposition de vaisselle qui est assez sympathique, que j'aime beaucoup. Elle travaille avec de la lave, de la porcelaine, voilà. Elle aime jouer avec le matériau et elle fait tout à la main. Et j'aime énormément son travail. Pour les couverts, j'ai trouvé de l'argenterie couleur bronze au motif végétal. Ça me donne un petit côté ancien à la table. Donc pour les verres, j'ai pris des verres à dégustation ordinaire, auxquels j'ajoute des verres bullés faits par un artisan. Donc je trouve ça assez joli. Différentes couleurs, ça me réchauffe un petit peu ma table puisqu'elle va être très froide. J'ai rajouté du romarin parce qu'on est au bord de mer, on est à Calvi. Et donc pour moi, le bord de mer, c'est les grillades, c'est frais. Dans quelques instants, nous allons pouvoir prendre place autour de cette table sublime. Mais avant cela, il nous faut retourner en cuisine pour dresser les plats. Bon, on reprend notre petit tartare. On va couper. On tire sur l'extrémité comme ça. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul et on va venir poser comme ça. Notre pickles de chou, on va le mettre là. On va revenir là. On va prendre nos petits sommités qu'on a fait. Je mets un peu de côté. On va prendre un petit peu de pousse d'épinard, juste pour avoir la légère couleur. Comme ça. Et il nous reste à poser l'œuf mollet. Ah oui, c'est vrai, l'œuf mollet. Alors, l'œuf mollet, j'ai oublié. On va le mettre au cœur. On va lui rajouter un peu de poudre de seigle. D'accord. Pour rappeler un peu le goût, un peu fumé. Ouais. Deux, trois petits pop-corn. Ah, des pop-corn. Original. Et on va rajouter. Alors là, c'est. Comme toi, tu mets un bouquet garni. Ouais. Et moi, c'est un jus de persil. Carrément. Voilà. Et je vais venir apporter sur mon œuf. Et voilà. La version du tartare de veau. C'est génial. Au foie gras, avec un œuf mollet. Ah, donc, on va dresser tout ça. Ah, dis-moi. Alors, on va commencer par mettre, si tu veux, les oignons dans la Philippe François, où vous en êtes? Au dressage. Eh bien, dresser, au dressage. Donc, c'est ton tour, hein? C'est mon tour, voilà. Toi, tu as déjà bien... Oh, mais c'est terminé. Voilà, c'est fini. Mais je vois que c'est... Quelle merveille. Elle est magnifique, ton assiette. Hein. Ce qui est beau, c'est qu'il y a de la couleur. On a de la verticalité. Tout à fait. Des pop-corn. Oui. Génial. Allez, on néglige pas le deuxième chef. Ah non, chef, hein. Pas. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple à dresser, tu vois, le mien. C'est oui, c'est un plat rustique, un plat rustique, voilà, bien sûr. Un plat rustique. Je respecte, c'est magnifique, ça reste rustique. Mais vous savez, le lieu que j'ai déniché pour la dégustation, il est très élégant. Et si tu me permets, François, avec l'aide de notre chef, je voudrais proposer le même plat, un peu plus élégant. Avec, hein, mais en valeur. Hein. Oui. Oui. Tu as une idée, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai une petite idée. Alors, on va venir prendre la petite... compoté d'oignons. Ouais. C'est généreux ce que tu nous as fait, c'est super. C'est très hein généreux, ouais. C'est comme ça. Ça tient encore. Oui, oui. Alors, je te laisse de la place. On va venir la mettre au centre. Ah, oh, de la couleur. Regarde ça. Quel joli contraste. On va venir chercher les petits œufs. Voilà. On va mettre un œuf. Voilà. Il nous impressionne, hein. C'est ça, les chefs. Et si on veut. On va venir apporter la poudre de seigle qui va apporter un goût légèrement fumé au plat. Voilà. Eh ben voilà, quand l'artiste s'attaque au traditionnel. Merci François. Bravo à tous les deux. On se retrouve dans le fameux lieu très esthétique, très ouais beau, et on va déguster ces merveilles. Hein. Bravo les chefs. Hein. Merci. Bravo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, chef. Merci, deuxième chef. Hein, je n'ose même plus dire amateur. Hein. Je te remercie, Marina. Mais oui, pour ces deux plats magnifiques.
Je suis ravie de vous avoir à table, Cathy, Olivier, Philippe et François. Alors c'est une première, hein. Aujourd'hui, on marie les deux plats dans une seule assiette. Alors, Philippe, raconte-nous déjà ton approche. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Du moelleux, de l'acidité et un peu de fondant. Parfait. Plein de couleurs, une belle verticalité. Voilà, tout à fait. Alors, chers amis, je vous invite à déguster. Je vous souhaite un bon appétit. Et on commence par quoi, à votre avis, chef ? En premier, par le petit tartare de veau, hein, pour avoir le petit goût de foie gras. Très et bien. Ensuite, avec les œufs de François, pour avoir un goût d'acidité qu'ils peuvent avoir. Allez, on va goûter ça. On a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir une vaisselle magnifique. Cathy, c'est très beau tout ça. Merci. C'est une petite production avec... là, vous avez de la porcelaine et là, vous avez du grès noir. C'est une vaisselle qui n'est pas... cloné, pas traditionnel, mais qui est vraiment adapté à un usage alimentaire. Il n'y a aucun souci. Combien d'années ça fait que vous fabriquez, on va dire, vraiment la vaisselle comme ça ? Ça fait très longtemps que je travaille l'argile. Ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé à cuire les terres que j'ai collectées. Et là, ça fait 4 ans que je travaille sur une gamme de vaisselle pour les particuliers comme les restaurateurs. La vaisselle est très importante, le lieu compte énormément et on est vraiment bien chez toi, Olivier. C'est gentil. Oui, on s'y sent bien comme à la maison, c'est vrai. Hein? C'est une maison. C'est vrai? C'est ça. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce premier plat, le plat de notre chef Philippe. Mais écoute, c'est un plat qui est très, très réussi, un mélange de saveurs, de textures, notamment avec le croquant. C'est une cuisine que je connais déjà depuis des années. Hein. Et puis là, c'est agréable de la retrouver en plus en ces lieux. Et qu'est-ce que pense notre amateur de... du plat de notre chef Philippe, pardon, futur chef. Hein. Écoute, j'ai assisté ce matin à la fabrication de ce plat, donc je peux te dire que je l'ai savouré donc des yeux au moment où il le faisait. Et là, écoute, c'est l'apogée, quoi. Ah oui. Ah ouais, moi, je trouve ça délicieux. Sincèrement, Philippe, félicitations. Un jour, tu seras un grand chef comme moi. je prends note. D'ailleurs, les ingrédients de ce plat vont s'afficher. Comme ça, vous allez pouvoir reproduire facilement cette recette chez vous. Allez, on va goûter le plat suivant. Alors, ce fameux plat traditionnel calvé. Passons aux choses sérieuses. Oui, passons aux choses sérieuses, oui, c'est ça. Comment on dit en Corse, comment on appelle ce plat ? On appelle ça l'eau en tripa. L'eau en tripa. Alors, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec des tripes, hein, parce que c'est l'aspect, j'ai la consistance plutôt des oignons quand ils sont revenus comme ça, qui sont donnés une consistance un petit peu de tripes à l'ancienne, tu vois. Mais c'est que des oignons, t'as pas du tout d'abat de quoi que ce soit. Voilà. Et c'est un plat traditionnel qu'on faisait, donc qu'on fait toujours, hein, ici à Calais surtout, c'est même une spécialité. On a beaucoup de chance de le goûter alors. Exactement. Et toi, ta petite fantaisie, donc c'est un peu de vin blanc. Oui, un petit peu de vin blanc. Cathy, tu connaissais, toi ? Tu connaissais ? Oui, je connaissais. Ah oui ? Cathy est baladine. Toi, Olivier ? Moi, je connaissais, mais curieusement, j'y avais jamais goûté encore, tu vois. Donc c'est une première. Comme qu'on peut être, il a raison, François, on peut être baladin et ne pas connaître fondamentalement. Mais le petit plus et c'est du vin très blanc. Bon. Ah, c'est bien, un petit plus de vin blanc. On sent bien la pancetta et le vin blanc. Chef, le verdict ? Très bon. Très bon ? Très, très bon. Bon, en attendant, on va voir un petit peu tous les ingrédients pour pouvoir faire la recette traditionnelle de François. Alors, qui connaissait par contre le travail de notre cher François dans le milieu associatif ? Parce que je sais que tu es très actif, le Sveglio Calvese, n'est-ce pas ? À chaque fois que je me présente quelque part, j'ai toujours fait militant associatif multicarte. Essentiellement, le travail qu'on fait ici à Calvi, c'est à travers donc, notre association Sveglio Calvese, essentiellement basée sur le théâtre, bien sûr, sur la musique, le chant. Il faut se rajouter un truc aussi qui est important chez nous, c'est le travail qui est fait par l'association sur la langue corse. Ah oui, ben, un travail énorme qui est fait avec les scolaires, avec les enfants, avec les adultes aussi sur la langue corse. Et ça, je pense qu'il faut le souligner parce qu'on a, dans ce domaine-là, je pense qu'on est quand même un petit peu, je ne dis pas une locomotive, mais on est quand même, on fait un travail fondamental, en profondeur. Un rôle important. En tout cas, c'est une très belle rencontre entre la cuisine traditionnelle et une cuisine un peu plus élaborée, hein, Philippe, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une jolie rencontre. En plus, c'est des plats qui sont super bien mariés. Oui. Et donc, on peut mettre en valeur aussi bien la cuisine, ma cuisine, que sa cuisine à François. Oui. Donc, c'est
Il suffit de changer parfois la présentation, hein, et ça change tout de suite. Tout à fait, hein. Tout à fait. Il suffit d'avoir juste les petites idées, de mettre en valeur un peu plus un produit qu'un autre, et ça change tout vraiment le plat. Mais et avec son accord. Hein. Et bien sûr, avec l'accord. Sinon, ça fonctionne pas. Sinon, ça fonctionne pas. Bien sûr. Tu es d'accord? Bah, je ne peux qu'être d'accord. Donc, je profite pour te remercier, cher François, vraiment pour ta générosité, parce que la cuisine, c'est la générosité avant tout. Merci, Philippe. Merci à vous. Pour ce beau plat. Olivier, c'était superbe. Ton lieu s'y prête vraiment. Je suis ravie de vous avoir tous reçus ici. Merci, merci, merci. Et Cathy, n'en parlons pas. Alors, la vaisselle... Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Quelle splendeur. Merci. Nous nous retrouvons très prochainement pour de nouvelles aventures gastronomiques méditerranéennes. Et comme toujours... J'y mettrai mon grain de sel.